Il y a toujours plus de place pour grandir. Il y a toujours plus de connaissances à acquérir, toujours plus de compétences à perfectionner. Nous n'en avons jamais fini avec le processus d'éducation, car l'éducation fait partie du chemin vers la richesse. L'éducation et l'apprentissage font partie du chemin vers la santé. L'éducation continue peut vous faire changer d'avis si vous êtes dans la mauvaise direction. Nous avons besoin de la nourriture mentale que d'autres fournissent. Nous avons besoin d'exercice mental. Nous avons besoin d'ouvrir notre esprit à différentes alternatives. Nous devons apprendre à apprécier l'autre côté du débat, afin de pouvoir renforcer le nôtre et le défendre. Nous devons nous exposer à un large éventail de pensées, de philosophies et d'idéologies. Il faut écouter une variété d'orateurs, lire une variété de livres. Aucun orateur n'a toutes les réponses pour vous. Aucun livre n'a toutes les réponses. Vous ne pouvez pas obtenir toutes les réponses d'une seule personne. Nous avons besoin d'une variété d'influences pour nous donner des idées, pour gérer nos affaires, pour gérer nos relations, pour gérer nos finances, pour tirer parti de notre temps. Nous avons besoin d'une variété d'influences. Nous avons besoin d'une variété de livres dans notre bibliothèque. Nous avons besoin d'une variété de cassettes dans notre vidéothèque. Dans notre audiothèque, nous avons besoin d'une variété de voix. Et voici ce dont nous avons également besoin. Nous avons besoin d'une variété de points de vue. Les points de vue peuvent être si précieux. Quelqu'un dit, vous l'avez déjà vu d'ici? Et vous dites, non. Alors vous vous mettez là où ils sont et vous regardez par ici de leur point de vue. Et vous dites, mon Dieu, je n'ai jamais pensé de ce point de vue. C'est si différent. Pas étonnant que tu penses comme tu le fais. Voici l'indice. Profitez de tout ce qui est disponible, en termes de nourriture mentale et d'exercice mental. Soyez avide d'apprendre. Soyez toujours avide d'apprendre, peu importe où vous en êtes dans votre voyage. Peu importe où vous en êtes dans votre réussite. Gardez cette soif d'apprendre. Accumulez autant de connaissances que vous le pouvez. Et ensuite, débattez-en. Mettez tout sur la table. Et regardez-le. Disséquez-le. Retournez-le et fixez-le. Posez des questions, faites des déclarations. Ne tenez pas pour acquis qu'une seule personne a toutes les réponses que vous cherchez. Acceptez leur savoir, mais ne le considérez pas comme le seul savoir. Assurez-vous que ce que vous faites finalement, le modèle que vous développez pour apprécier votre propre style, vos propres méthodes et votre propre processus de réalisation, assurez-vous que ce que vous faites finalement est le produit de votre propre conclusion. C'est ce qui a de la valeur. Il ne faut pas se contenter de faire ce que quelqu'un dit sans en débattre. Considérez la source, puis faites-le à votre façon. Vous pouvez vous intéresser à ce que quelqu'un dit, le digérer, prendre des notes, mais ensuite en débattre, examiner la question sous tous les angles. Soyez un étudiant, pas un suiveur. Construire son ambition est un processus unique à chacun d'entre nous. Rassemblez toutes les connaissances que vous pouvez. Puis développez votre approche comme un produit de vos propres conclusions. Vos propres conclusions, pas les conclusions de quelqu'un d'autre. Vos propres conclusions. Ne vous laissez pas séduire par les philosophies des autres. Elles peuvent ne pas être justes. Lorsque vous collectez des connaissances, vous devez les trier et trouver ce qui a de la valeur. Ensuite, vous pouvez développer votre propre philosophie. Et votre propre philosophie devient le plus important de vos systèmes d'orientation. L'une de vos lumières directrices. Ainsi, développez votre propre plan, de peur de vous attirer des ennuis avec celui de quelqu'un d'autre, et débattez des plans des autres, des philosophies des autres, des styles de réalisation des autres, de la façon dont les autres s'apprécient. Débattez de tout cela. Pourquoi? Parce que cela affecte tout. La valeur que vous accordez à votre plan, la valeur que vous accordez à vous-même, la valeur que vous accordez à la vie en général affecte tout ce qui vous entoure. Elle affecte même la façon dont vous respectez le temps, les 24 heures par jour qui nous sont données à chacun pour en faire ce que nous voulons. Il y a un lien entre le fait de s'apprécier soi-même et le fait d'apprécier et de respecter le temps. Les personnes qui s'apprécient comprennent et respectent l'utilisation du temps. Voici ce que j'appelle le secret le mieux gardé des riches. Une découverte intéressante que j'ai faite un jour.
Je n'arrivais pas à y croire lorsque j'ai découvert que les riches disposent d'environ 24 heures par jour. Et les pauvres d'environ 24 heures par jour. Cela ne vous aurait-il pas rendu fou jusqu'à ce que vous découvriez la différence? Je vous le dis, la différence réside dans la gestion du temps. Quelques disciplines simples pratiquées chaque jour, et votre vie entière peut changer. Votre avenir peut changer. Vos revenus peuvent changer. Vous pouvez apprendre du négatif comme du positif. La Bible est un si grand livre parce qu'elle est une collection d'histoires humaines des deux côtés du grand livre. Une liste d'histoires humaines est appelée exemple. Faites ce que ces gens ont fait. Et l'autre liste d'histoires humaines s'appelle les avertissements. Ne faites pas ce que ces gens ont fait. Quelle richesse d'informations, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Je pense que cela signifie également que si votre histoire se retrouve un jour dans le livre de quelqu'un, assurez-vous qu'il l'utilise comme un exemple et non comme un avertissement. Tous ces gens qui ont réussi, que je connais et avec lesquels je travaille dans le monde entier, sont de bons lecteurs. Ils lisent, lisent, lisent. Ils sont tellement curieux qu'ils sont poussés à lire parce qu'ils veulent le savoir. C'est l'une des choses qu'ils ont tous en commun. Voici une bonne phrase. Tous les leaders sont des lecteurs. Et ils utilisent aussi des programmes de cassettes, surtout lorsqu'ils sont en voiture ou pendant d'autres moments où ils ne peuvent pas lire. Les cassettes peuvent nous aider tous à assimiler facilement de nouvelles idées et de nouvelles compétences. Saviez-vous qu'il existe des cassettes et des livres sur la façon d'être plus fort, plus décisif? D'être un meilleur orateur, un leader plus efficace? D'avoir un meilleur effet sur les autres? De devenir plus aimant, de développer sa personnalité, de devenir riche, de développer son influence, de devenir sophistiqué, et que les gens ne les utilisent pas. Comment expliquez-vous cela? Saviez-vous que des centaines de personnes qui ont réussi ont écrit leur histoire dans des livres et raconté comment elles ont réussi sur des cassettes comme celle-ci et que les gens ne veulent pas les écouter? Comment tu expliquerais ça? Le gars est occupé, je suppose. Il dit, « Eh bien oui, si vous travaillez là où je travaille, le temps que vous luttiez pour rentrer chez vous, il est tard. Tu dois manger un morceau, regarder un peu la télé et aller te coucher. Tu ne peux pas rester debout la moitié de la nuit et lire, lire, lire. » Et c'est le type qui a du retard dans le paiement de ses factures. C'est un bon travailleur, un travailleur acharné, et il est sincère. Mais souvenez-vous, vous pouvez être sincère et travailler dur toute votre vie et finir fauché, confus et embarrassé. Vous devez être meilleur qu'un bon travailleur. Il faut être un bon lecteur, un bon auditeur. Au moins, vous pouvez écouter une bonne cassette sur le chemin du retour, n'est-ce pas? Maintenant, tu n'as plus besoin de lire ou d'écouter des cassettes éducatives la moitié de la nuit. Bien que si tu es fauché, c'est un bon point de départ. Mais voici tout ce que je demande, juste 30 minutes par jour. C'est tout. Étirez-vous jusqu'à une heure si vous le pouvez, mais au moins 30 minutes. Écoutez ou lisez quelque chose de stimulant, quelque chose d'instructif, au moins 30 minutes par jour. Et voici la clé suivante. Ne manquez pas de le faire chaque jour. Ratez un repas, mais pas vos 30 minutes. Et vous pouvez vous passer de certains repas, mais vous ne pouvez pas vous passer d'idées, d'exemples et d'inspirations. Il y a une phrase dans la Bible qui dit « L'homme ne peut pas vivre de pain seulement ou de nourriture seulement. » Elle dit « La chose la plus importante après le pain, ce sont les mots. » Les mots nourrissent l'esprit, les mots nourrissent l'âme. Les humains doivent avoir de la nourriture et des mots pour être en bonne santé et prospérer. Assurez-vous d'avoir un bon régime de mots chaque jour. J'ai dit un jour à mes collaborateurs, certaines personnes lisent si peu qu'elles ont le rachitisme de l'esprit. Et n'oubliez pas non plus de bien nourrir l'esprit. Vous devez avoir un bon équilibre. Ne vous contentez pas de lire ou d'écouter les choses faciles. Vous ne pouvez pas vivre de sucrerie mentale. Voici une idée. Pourquoi ne pas appeler les bons livres et les cassettes le trésor des idées? C'est ça. Puisez dans le trésor des idées, comme vous le faites avec ce programme. Et si quelqu'un a une bonne excuse pour ne pas puiser dans le trésor des idées pendant au moins 30 minutes par jour, ou pour ne pas dépenser l'argent et se procurer les livres et les cassettes, j'aimerais l'entendre. Investissez l'argent. Procurez-vous les cassettes et les livres. Le meilleur argent que vous puissiez dépenser est celui qui est investi dans votre auto-éducation. Ne vous privez pas quand il s'agit d'investir dans votre propre avenir. Monsieur Schauff m'a fait commencer ma bibliothèque lorsque je l'ai rencontré pour la première fois. Il m'a dit « Devenez autodidacte ». Une éducation standard vous donnera des résultats standards. Vérifiez ces chiffres et voyez si c'est ce que vous voulez. Et si ce n'est pas le cas, si vous voulez quelque chose de mieux que le standard,
vous devez devenir autodidacte. Je me suis donc mis à travailler sur ma bibliothèque, et j'en ai maintenant une des meilleures. Schauff m'a recommandé quelques livres en particulier pour commencer. J'avais une Bible, ce qui fait 66 livres. Donc c'était un bon début. Et mes parents ont veillé à ce que j'étudie bien la Bible. Mais le premier livre que M. Schauff m'a conseillé est « Pensez et devenez riche » de Napoleon Hill. Si vous ne l'avez pas déjà, c'est un excellent livre à ajouter à votre bibliothèque. Earl Nightingale l'a mis sur cassette. Le titre devrait vous intriguer. « Pensez et devenez riche ». Je l'ai lu plusieurs dizaines de fois. Schauff a dit que la répétition est la mère de l'habileté. Et si vous aviez pu voir mon compte en banque à l'époque, vous auriez su que j'avais besoin de beaucoup de ce genre de répétition. Certaines des idées contenues dans ce livre ont apporté des changements majeurs dans ma vie. Avec le recul, je me dis que ce livre valait des milliers d'euros et que je l'ai acheté pour quelques centimes. J'ai appris une leçon très précieuse. Il peut y avoir une grande différence entre le coût et la valeur. Avant de rencontrer M. Schauff, j'avais l'habitude de demander « Combien cela coûte-t-il ? » Mais après l'avoir rencontré, j'ai vite appris à demander « Combien ça vaut ?» J'ai commencé à baser ma vie sur la valeur plutôt que sur le coût, et tout a changé. Le livre suivant qu'il m'a recommandé était un livre sur la nutrition. Schauff a dit « Étudiez la nutrition ». La vitalité joue un rôle important pour bien faire. Certaines personnes ne font pas bien les choses parce qu'elles ne se sentent pas bien. Ce n'est pas qu'elles ne sont pas intelligentes, c'est qu'elles sont malades. Elles n'ont pas le feu et la vitalité pour bien faire. Alors il m'a vraiment parlé de nutrition. Certains de ses livres sur la santé sont un peu bizarres, mais on peut faire abstraction de ce qui est bizarre. Il existe aussi des cassettes sur la nutrition. Rappelez-vous, ne soyez pas un suiveur, soyez un étudiant. Quelqu'un dit « J'ai lu ce livre, dois-je le suivre ?» Et la réponse est non. Lisez au moins deux livres et faites-vous votre propre opinion. Ne soyez pas un suiveur, soyez un étudiant. Alors prenez soin de vous. Il y a une phrase dans la Bible qui dit « Souvent l'esprit est disposé, mais le corps est faible. » Donc vous devez travailler sur les deux. On se réveille le matin et l'esprit dit « Allons les chercher. » Et le corps dit « Je ne peux même pas sortir du lit. » Donc travaillez sur votre santé. La bibliothèque de livres et de cassettes d'une personne révèle son désir le plus dominant. Il est intéressant d'entrer dans la maison de quelqu'un et de parcourir sa bibliothèque. Que dit votre bibliothèque sur vous ? Alors lisez tous les livres. Maintenant, voici la bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin de les lire tous en même temps. Essayez ceci, 2 livres par semaine. Dans 10 ans, ça fera 1 millier de livres. Si vous lisez 1000 livres au cours des 10 prochaines années, pensez-vous qu'ils influenceront grandement toutes les dimensions de votre vie ? La réponse est « Bien sûr !» Eh bien, voici ce qui est excitant. C'est seulement 2 livres par semaine. Cependant, je dirais que si vous n'avez pas lu 2 livres par semaine au cours des 10 dernières années, vous avez environ 1000 livres de retard. Pouvez-vous imaginer l'incroyable désavantage qu'il y aura dans 10 ans à se lancer sur le marché avec 1 millier de livres de retard ? Pour certaines confrontations, vous ne serez pas à la hauteur. Et pour certaines opportunités, vos connaissances seront trop faibles. Pour certaines valeurs, votre philosophie sera trop superficielle. Des compétences manquantes, des connaissances manquantes, des idées manquantes, des valeurs manquantes, un style de vie manquant. Cela peut arriver si vous ne lisez pas les livres. N'oubliez pas, le livre que vous ne lisez pas ne vous aidera pas. Laissez-moi vous donner 3 façons de découvrir comment changer quoi que ce soit. N'importe quelle direction de vie, n'importe quelle dimension, voici 3 façons de découvrir comment changer quoi que ce soit. La première chose à faire est de lire. Devenir un bon lecteur. Toutes les personnes qui ont réussi que je connais et avec lesquelles je travaille dans le monde entier sont de bons lecteurs. La curiosité les pousse à lire. Elles aiment connaître. Elles lisent, 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 lisent. Devenez un bon lecteur. Voilà mon opinion. Écoutez les autres conférenciers, écoutez-moi et faites-vous votre propre opinion. Ne soyez pas un suiveur, soyez un étudiant. D'accord ? Je dis que pour vraiment changer la vie, il faut lire. Une façon d'apprendre est d'apprendre de ses propres expériences, mais on peut aussi apprendre de l'expérience des autres. Tu vois, un livre peut te faire gagner 5 ans si tu le lis.
Saviez-vous qu'il existe des livres sur la façon d'être plus fort, plus décisif, d'être un orateur, un leader, d'avoir un meilleur effet sur les autres et de développer votre personnalité? Saviez-vous qu'il existe des livres sur ce sujet? Et les gens ne les lisent pas. Comment expliquer ça? Et ils savent lire. Saviez-vous que des centaines de personnes qui ont réussi ont écrit leur histoire dans des livres et qu'elles ont écrit comment elles ont réussi? Et que les gens ne les lisent pas? Comment tu expliques ça? Le gars est occupé, je suppose. Vous savez, vous êtes pris par le temps. Le gars dit, « Eh bien ouais, tu travailles où je travaille. Le temps que tu luttes pour rentrer chez toi, il est tard. Tu dois manger le souper, regarder un peu la télé, aller te coucher. Tu ne peux pas rester debout la moitié de la nuit à lire, 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 lire et lire. Et le gars est en retard sur le paiement de sa voiture. » Bon travailleur, travailleur acharné, sincère. Mais vous devez être plus que sincère. Et plus qu'un travailleur acharné. Sinon, à la fin de ta vie, tu vas te retrouver sans le sou. Tu dois être plus qu'un bon travailleur. Tu dois être un bon lecteur. Fréquente les gens qui ont réussi et écoute-les. Maintenant, tu peux aussi apprendre des personnes qui ont échoué. Prenez des notes sur les deux. Le négatif et le positif. Pour le négatif, les notes s'appellent « ce qu'il ne faut pas faire ». Et vous devez apprendre ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Donc apprenez du négatif comme du positif. D'accord? Trouvez ce que les pauvres lisent et ne lisez pas. C'est une bonne information. Apprenez du négatif. Mais maintenant, vous pouvez aussi apprendre du positif. Fréquentez les gens qui réussissent. Écoutez ce qu'ils disent. Écoutez comment ils le disent. C'est important. Nous avons tous environ 16 heures d'éveil. Entraînez-vous à écouter pendant ces 16 heures. Et je dis s'entraîner à écouter parce qu'écouter n'est pas facile. J'ai découvert qu'il est plus facile de parler que d'écouter. Mais si vous vous entraînez à écouter pendant les 16 heures où vous êtes éveillé, il est certain que de grandes idées surgissent de sources surprenantes. Dans la formation en vente, nous enseignons que si vous voulez apprendre la vente, écoutez les enfants. Les enfants doivent être les meilleurs vendeurs de tous les temps. Ils n'ont pas d'égal. Un père dit à son jeune fils, « Non, tu ne peux pas avoir de cornet de glace. » 30 minutes plus tard, il en lèche un. Ça fait 30 minutes qu'ils valent la peine d'être écoutés. Les enfants ont des mouvements que vous ne croiriez pas. La persévérance est aussi profonde que l'océan. Et les enfants n'ont jamais pris de cours sur la façon de surmonter les objections. Ils savent déjà comment. Ils n'ont pas besoin de cours. Vous dites non aux enfants et ils passent leur chemin. Ils vous donnent trois bonnes raisons. Tu dis simplement non, ils passent son chemin, ils t'en donnent trois autres. Ce sont des maîtres. Alors écoutez et apprenez. Maintenant, voici un des meilleurs conseils que j'ai pour toute la soirée. Il n'y aura pas mieux que ça. Le voici. Les pauvres devraient inviter les riches à dîner et les écouter. C'est l'un des meilleurs que j'ai. Si un type ne va pas bien, l'une des premières choses qu'il devrait faire, c'est de trouver un type qui va bien et de lui proposer de lui payer son dîner en dépensant 50, 60, 80, 100 dollars et de lui offrir le menu complet. Commencez par les jus de fruits et les hors-d'œuvre. Faites-le parler. La salade prend 15 minutes. Continuez comme ça. Le plus gros steak de la ville prend 45 minutes. Continuez. Allez au dessert. Étendez ce repas sur environ 2 heures. Si vous faites manger et parler une personne qui a réussi pendant 2 heures, elle peut vous donner des idées qui changent votre vie. Multipliant vos revenus par 2, par 3, par 5. Mais vous avez raison. Les pauvres n'invitent généralement pas les riches à dîner. C'est bien là le problème. Le type a dit, il est riche, laissez-le payer son propre dîner, je ne vais pas trouver de l'argent. Et il dit, en plus, si tu travailles où je travaille, le temps que tu luttes pour rentrer chez toi, il est tard. Tu as de la chance d'avoir ton propre dîner, encore moins de courir partout pour essayer de trouver un homme riche à nourrir. Et le gars est en retard sur le paiement de sa maison. Bon travailleur, travailleur acharné, sincère. Mais il faut être plus que sincère, plus qu'un travailleur acharné. Vous finissez fauché, il faut être meilleur qu'un bon travailleur. Tu dois être un bon auditeur. Et souvenez-vous, ce que vous lisez
et ce que vous entendez, mettez les bonnes choses dans votre journal. Maintenant, voici la troisième leçon pour apprendre à changer votre vie. Et il s'agit d'observer. Vous pouvez ramasser beaucoup d'idées juste en observant. Fréquentez les gens qui réussissent et observez. Voici pourquoi. Le succès laisse des indices. Regardez comment l'homme serre la main. Regardez comment la dame répond. Les gens qui réussissent font certaines choses encore et encore et encore. Et si tu es intelligent, tu peux les récupérer. Regardez tout ça. Si un gars fait 10 000 euros par mois, je regarderai comment il marche. Peut-être que c'est ça. Copie sa drôle de petite démarche. Quelqu'un dit, « Eh bien, c'est une démarche un peu stupide. C'est 10 000 euros par mois !»« Je n'ai pas encore l'argent, mais j'ai la démarche !» Il faut bien commencer quelque part. Ce que je vous demande ce soir, c'est d'être inhabituel et d'être un bon observateur de ce qui se passe. Vous pouvez ramasser des idées qui peuvent changer votre vie dès demain. Soyez juste un observateur plus attentif. Maintenant, souviens-toi, il y a deux façons de voir. L'une s'appelle la vue. Tu vois avec tes yeux. L'autre s'appelle l'intuition. Voir avec votre esprit. Vois avec tes yeux, tu verras des choses. Voyez avec votre esprit, vous verrez des réponses. Mettez vos yeux et votre esprit au travail. Et le meilleur conseil pour développer la vue et la perspicacité est de prêter attention. Ne manquez rien. Dans le séminaire du week-end, nous enseignons que l'une des plus grandes fatalités au succès est la préoccupation. Le manque de concentration. L'esprit du gars vagabonde. Tu vois, tu finis dans la moyenne. Il faut apprendre à se concentrer. J'ai lu un bon article une fois, le Reader's Digest. Le titre était « Où que tu sois, sois là ». Excellent. Ne manquez rien. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur. Vous êtes également libre de recevoir notre guide pour apprendre à générer vos premiers 200 euros par mois sur Internet en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo. Le tout gratuitement. À très vite.